Je vais lire La cigarette de Francis Ponge. Rendons d'abord l'atmosphère, à la fois brumeuse et sèche, échevelée, où la cigarette est toujours posée de travers depuis que continuellement elle la crée. Puis sa personne, une petite torche beaucoup moins lumineuse que parfumée, d'où se détache et choix selon un rythme à déterminer un nombre calculable de petites masses de cendres. Sa passion, enfin, ce bouton embrasé, d'esquamant en pellicules argentées, qu'un manchon immédiat, formé d'épures récentes, entoure.